Samedi 12 octobre 2019, une semaine seulement après la reprise de ses activités, une importante délégation du Parti pour le Développement et la Solidarité Sociale PDS, conduite par Michel Ndzabuga, conseiller du président de ce parti, M. Raphaël Ndaoro-Mpoko, a séjourné à Ombwe. Comme à son habitude, le PDS s'y est rendu pour une caravane sociale et une activité politique. Après les civilités d'usage faites au premier secrétaire de préfecture, la délégation s'est rendue à l'école Charles Ping pour offrir à plus de 300 élèves des kits scolaires, comme cela s'était déjà fait par le passé, en présence de certaines autorités locales, parmi lesquelles la mairesse Tomboué et le corps enseignant. Le directeur de cet établissement, Jean-Aimé Niama, salue l'action sociale. La cérémonie de remise de kits scolaires qui nous réunit ce jour est l'expression de la valeur que vous accordez à l'éducation de la jeunesse gabonaise en général et celle d'Ombwe en particulier. Ce don vient aussi soulager les nombreuses familles en difficulté. Nous vous en sommes reconnaissants. La coordinatrice nationale des jeunes du PDS situe le contexte. Nous avons fait la même chose l'année dernière. C'est pour vous dire combien de fois le PDS attache, donne de la valeur à la jeunesse et particulièrement à la jeunesse d'Ombwe. Vous êtes nos enfants. Le PDS est venu vous soulager un tant soit peu, soulager papa et maman en vous offrant ces petits kits scolaires. Notre souhait est faire de vous une jeunesse d'élite. Nous voulons que les enfants d'Ombwe soient des jeunes cadres demain et après-demain et qu'ils fassent tout ce qu'il faut parce qu'ils auront bien appris dans de bonnes conditions pour que le Gabon de demain soit un Gabon prospère avec une jeunesse aussi prospère. La distribution de kits s'est faite tour à tour par le chef de mission, Michel Ndzabuga. Claudine Arondo, épouse missionnaire, mairesse d'Ombwe et issue de ce parti. Le directeur de cabinet politique du président, André-Jacques Hogan, et bien d'autres responsables du parti. Les bénéficiaires et leurs parents n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments face à ce geste de cœur posé en ce début d'année scolaire. Merci. PDS. Donc merci le PDS et Papa Ndao pour le sac et les fournitures. Ça me fait plaisir parce que pendant l'année scolaire, il y a les parents qui n'ont pas les moyens. Mais comme ils ont fait ce don, moi je dis que c'est une bonne chose et ça doit toujours continuer. Très bonne chose pour le PDS, pour ça j'apprécie. On les encourage. Pour ça, je les encourage. On apprécie vraiment le geste, comme c'est pas aussi la première fois. Cette action d'ordre social a assurément fait des heureux en Ombwe. Et c'est fort de cela que cette cérémonie s'est achevée sur une note de satisfaction totale et dans une ambiance bon enfant.